Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laissa partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète, dite à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme? » Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, vous avez remarqué qu'en ce dimanche des rameaux, c'est le récit de l'acclamation, avant l'acclamation aux rameaux que j'ai pris, plutôt que le récit de la Passion. Alors, c'est un récit où on voit une acclamation qui est faite à Jésus, que l'on reprend en célébration avec les rameaux. Ce qui est intéressant de voir dans ce récit, c'est que Jésus, en quelque sorte, provoque ce qui va se passer. C'est lui un peu qui demande d'aller chercher l'âne pour pouvoir à ce que toute cette acclamation puisse éclater. C'est étonnant quand même, parce que dans la vie de Jésus, à plusieurs moments donnés, on a voulu l'acclamer, on a voulu en faire un roi, puis Jésus s'est toujours défilé de ça. Mais maintenant, il la laisse éclater. Et quand on regarde ça, ce récit, on se dit, nous, que c'est une gloire bien éphémère. Les gens qui sont là l'acclament du mieux qu'ils le peuvent, et dans quelques jours à peine, ils vont se tourner contre lui, ils vont réclamer qu'il soit mis à mort. Lorsqu'on regarde ça, nous, on trouve ça quand même épouvantable, ce changement radical, cette acclamation qu'on pourrait dire un petit peu hypocrite de ces gens qui vont être par la suite les premiers à se réjouir qu'ils soient mis à mort. Est-ce que Dieu réagit de la même façon? Je n'en suis pas sûr. Le Seigneur Jésus, notre Dieu, connaisse le cœur humain, connaisse cette ambiguïté qu'il y a souvent en nous. Et ce n'est pas vrai juste pour cette foule-là, à ce moment-là, mais c'est vrai aussi, je pense, pour chacun d'entre nous. Notre cœur est souvent changeant. On a des moments d'élan vers le Seigneur, mais en même temps, on ne le saisit pas tout de lui. On ne le connaît jamais vraiment en vérité. Et parfois, ces élans que l'on a vers Dieu, parfois sont teintés, sont mêlés de divers sentiments. Parfois, on trouve même certains avantages pour nous-mêmes dans l'acclamation qu'on peut faire au Seigneur. Est-ce que ça déçoit Dieu de voir le fond de notre cœur et de voir comment on ne le saisit pas toujours, comment nos louanges ne sont pas toujours les plus sincères qu'il pourrait y avoir? Sûrement un peu. Mais en même temps, c'est le choix qu'a fait notre Dieu d'être vis-à-vis nous, en quelque sorte, dans, je dirais, comme une longue conquête de notre cœur, où il cherche constamment à nous amener à le découvrir davantage, où il cherche constamment à purifier notre désir de lui, à purifier la prière qu'on lui adresse. Et pour nous, en quelque sorte, c'est stimulant, même si on se déçoit parfois, mais ça veut dire qu'on chemine sans cesse. On est appelé à grandir sans cesse dans la connaissance de Dieu, dans l'amour que l'on a pour lui, dans la louange que l'on lui adresse.
On arrive au terme du temps du carême. On arrive dans les jours saints. Nous allons dans quelques jours professer notre foi. Nous allons dans quelques jours redire une foi que l'on espère plus profonde, plus sincère, appuyée sur ce cheminement que nous venons de faire pendant le temps du carême. Alors puissions-nous être capables de le louer, un peu comme ces foules, de dire « Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur qui est patient pour chacun d'entre nous. Béni soit le Seigneur que l'on découvre au fil du temps un peu différent qu'on l'avait peut-être imaginé auparavant. Béni soit le Seigneur qui est toujours au-delà de ce que l'on peut connaître. Béni soit le Seigneur qu'on finira par connaître uniquement le jour où nous serons face à face dans son royaume. » Que cette route, nous la continuions toujours, que jamais nous cessions d'être habités par un désir de mieux le connaître, pour être capable de mieux le rencontrer, pour être capable de mieux le louer. Alors, je demande au Seigneur, au début de cette semaine sainte, qu'il vienne vous bénir, que ces célébrations que nous allons vivre ensemble vous nourrissent, vous fassent grandir dans la foi, dans l'amour de lui, des autres, et dans la connaissance de ce Dieu qui veut toujours nous offrir son salut et sa vie en abondance. Alors qu'il daigne vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.